ces élections n'ont pas de nom. Ce n'est pas une élection et je pense que le président de la République rwandaise, M. Kagame lui-même, a précisé le 14 du mois passé, donc du mois de juillet 2017, que pour lui, il n'y aura pas d'élection. Parce que il est déjà élu, il a prétendu que c'était par le référendum de 2015, je crois. Mmh. Donc par conséquent, il ne voyait pas de concurrent valable. Et en plus de ça, il savait qu'il allait utiliser les mêmes méthodes qu'il a utilisées à l'an 2003. Oui, en 2003, c'est vous qui avez remporté la présidentielle, hein, c'est ça? C'est ce qui est arrivé, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Mmh. En fait, quand je dis ce qui s'est produit, ce n'est pas ce qui a été déclaré plutôt. Ouais. En 2010, je n'étais pas là et je pense qu'il n'y avait pas de concurrent non plus. Il y a des partis qui prétendent être des partis politiques associés. Il y avait des candidats, mais les candidats qui faisaient la propagande de Kagame et finalement se sont retirés. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire en 2017, le monde entier a été témoin de ce qui s'est passé puisqu'il y a eu des déclarations avant l'élection. Autrement dit, un peu de mots, il n'y a eu qu'un couronnement. C'est la monarchie qui s'établit au Rwanda et qui se fixe dans le cadre bien précis de la tradition rwandaise puisque le clan Abega ont toujours combattu pour que ils obtiennent la monarchie. Après la mort du roi Kigeli, M. Kagame a pris sa place. Oui, donc vous pensez que les Tutsis, notamment le clan de Kagame, sont en train de vouloir monarchiser le Rwanda? Bien entendu, parce qu'il a déclaré, je pense qu'il a déclaré le 2 de ce mois, il a dit voilà, il n'y a pas eu de meilleur régime au Rwanda que le régime monarchique. Et il a ajouté, moi, je ne fais que restaurer ce régime il y a 23 ans, vous comprenez? Donc, nous vivons maintenant une époque de la restauration de la monarchie. Mais pourtant, beaucoup à l'étranger vantent un peu le mérite hein, du président Kagame qui a réussi à booster l'économie de son pays. Oui, les Occidentaux, bien entendu, et certains Africains qui ne connaissent pas le Rwanda, qui prennent Kagame pour un envoyé de Dieu, pour faire des miracles au Rwanda. Moi, ce n'est pas comme ça que je conçois la chose. D'abord, ça m'énerve un peu de temps en temps de voir que M. Kagame, qui a assassiné le président Habyarimana et son homologue burundais, il y a 23 ans, il n'y a pas eu d'enquête. Les Nations Unies dorment puisqu'il s'agit des pays africains. Oui, donc vous pensez qu'on le soutient un peu, on ferme les yeux sur les méthodes Kagame? Bien entendu, c'est ce que je suis en train de dire. Le développement économique, pour moi, est insignifiant aussi longtemps que le peuple rwandais ne vit pas un système de liberté et de choix libre. Autrement dit, en démocratie. Donc que l'on me dise que Kagame a construit des bâtiments et que la ville de Kigali est nettoyée, et tout cela, je m'en fous. Il a construit avec l'argent obtenu après l'invasion du Congo. Les richesses congolaises, maintenant, ont contribué à la construction de Kigali. Tout ça, on ne doit pas le cacher. Mais alors, il y a eu des massacres à Kibero dans la nuit du 21 au 22 avril 1995. 8000 personnes ont été massacrées dans un camp de déplacés qui contenait 80 000 ou 100 000 personnes. La communauté internationale s'en fout des 8000 Rwandais qui ont été massacrés par Kagame. Ils brandissent son drapeau de développement et tout en marchant sur les cadavres enterrés et prétendre que le monsieur est le sauveur, il a arrêté le génocide, il a fait le développement. Ça, tout ça, ça ne nous dit rien du tout. Le tribunal international avait été créé à Arusha pour juger et les extrémistes Hutus qui avaient contribué au génocide et les Tutsis qui avaient contribué au massacre des Hutus. Et aucun Tutsi n'a été arrêté. Aucun. Ce n'est pas, les Rwandais ne vont pas manger les briques ni des maisons qui sont construites. Quant au réseau routier, ce réseau routier Kagame l'a trouvé au Rwanda et il n'a rien achevé, n'a rien fait là-dessus. Le développement dont il parle de la santé, il parle de l'enseignement. Mais vous imaginez, le Rwanda est le seul pays où il y a 12 universités. 12 universités, mais de quel niveau? Hein? La santé, les gens meurent de kwashiorkor. Mais les gens prétendent qu'il y a des statistiques envoyées au FMI, à la Banque mondiale, et évidemment à l'OMS. C'est quand même incroyable. Falsification des données, tout ça. Nous, ce que disent les Occidentaux, ce que nous voyons, nous, ou ce que nous vivons, nous, Rwandais, c'est tout à fait différent. Mmh. Et je crois qu'il y a un peu, comment dirais-je, de racisme même. De racisme parce que, un petit exemple que je vais vous donner, puis on arrête sur ce sujet. Monsieur Milosevic, Slobodan Milosevic, vous l'avez connu, en Bosnie.
Oui. Il y a 6000 personnes musulmans qu'il avait fait massacrer par son armée. Il a été arrêté, conduit à la haie, jugé, emprisonné et il est mort en prison. Mais Kagame massacre des centaines de milliers au Congo, au Rwanda et rien du tout. Il a développé, il a arrêté le génocide, vous le laissez continuer. Le rapport de la Société internationale pour le développement sur l'état de l'Afrique de l'Est dit clairement que le Rwanda est le pays le plus inégalitaire de la région. Est-ce à dire que les Hutus, hein, qui sont majoritaires, ont moins accès aux richesses nationales que la minorité Tutsi? Bien entendu, ça c'est évident. Ces Hutus dont vous parlez, la plupart de ceux qui étaient plus actifs et qui étaient dans les affaires avant, ils ont fui le pays. Parce que, comme vous le savez, en Afrique, pour aboutir à une certaine échelle de richesse, souvent vous devez être courtisan au régime qui soit là. Alors ceux qui courtisaient le régime, pour la plupart, ils sont partis. Ils ont laissé les paysans qui ont été massacrés par les militaires de Kagame, pour la plupart. Ceux qui sont restés, ce sont des pauvres gens. Ces gens n'ont pas accès à la richesse. Kigali est habité par des gens qui sont les courtisans de Kagame, pour la plupart qui sont venus des pays limitrophes où ils étaient réfugiés, avec le pillage des biens du Congo, et ils ont construit Kigali, ça c'est évident, mais ça ne peut pas être réparti sur toute l'étendue du territoire. Je suis d'accord avec ce que le rapport a écrit. Et est-ce que vous craignez que les Hutus qui sont frustrés ne puissent un jour peut-être exprimer leur frustration? Moi je ne crois pas que la situation puisse perdurer. On ne peut pas toujours apprendre aux jeunes gens que le régime antérieur qu'ils n'ont pas connu était un mauvais régime, que vous restaurez la monarchie, que tout va se passer. Ils finiront par savoir que cela ne représente pas du tout la réalité. Et nous, nous avons la tradition d'avoir combattu toujours contre la monarchie, puisque le régime féodal, pour le remplacer par un régime républicain et un régime démocratique. Alors tout ça, nous n'en avons pas eu. Il y a ceux qui sont venus, qui nous ont combattus, qui nous ont chassés de notre pays, et même du pouvoir. Et nous sommes là. Je pense que le changement aura lieu. Oui, voulez-vous dire que le conflit Hutu-Tutsi n'est pas terminé comme on veut le croire? Non, mais ça, on fait le croire effectivement. C'est une sorte de maquillage, mais la réalité est là. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait le cacher. La meilleure résolution, c'est de tout simplement dire que il y a ces deux groupes nationaux que les Blancs ont toujours traités de race. Il n'y a pas de race là-bas. Nous parlons une même langue, nous partageons une même culture, nous nous sommes mariés avant la colonisation. Il y a un mélange de Rwandais. Nous avons été divisés sur ces thèmes tout simplement racistes. Mais aujourd'hui, je pense que ce qu'il faudrait apprendre aux Rwandais, c'est de vivre ensemble. Oui, mais est-ce que... Vous ne pouvez pas vivre ensemble quand vous séparez les gens en ce qui concerne la richesse. Non. Oui, la répartition de la richesse ne se fait pas de la même manière. Oui, mais est-ce que les Hutus et les Tutsis ne vivent pas ensemble actuellement ou bien c'est juste un maquillage comme vous l'avez dit tout à l'heure? Écoutez, il y a ceux qui vivent et qui pensent que la meilleure façon de continuer la vie, c'est de dire que les Hutus sont des tueurs. Ce sont des génocidaires, on appelle. Ceux qui sont appelés génocidaires, il faut qu'ils se calment pour ne pas être en prison ou alors subir d'autres coups durs dans leur vie. Ils vivent dans la frustration. Le futur nous dira ce qui va se passer. Mais on doit toujours prétendre qu'il n'y a pas de division. Mais les divisions sont là. Est-ce que ce n'est pas dangereux, Faustin Twagiramungu, hein, de jouer sur les fibres ethniques en ce moment au Rwanda? Quand vous posez cette question, c'est une façon de dire qu'il ne faut pas en parler. C'est tout. Mais le président Kagame, qui est devenu le roi récemment, il faudrait qu'il dise la vérité. Il dit que la monarchie était meilleure que le régime qui a été instauré par les Hutus. C'est ce qu'il veut dire. Est-ce que les Hutus pensent que ce que Kagame dit est la vérité? Pour moi, non. Mais ils sont obligés de l'accepter parce que les méthodes dures de Kagame de faire exécuter des gens en cachette, et ils craignent pour leur vie. C'est tout. C'est un peu pour ces mêmes raisons que Victoire Ingabire a écopé d'une dizaine d'années d'emprisonnement, parce qu'elle a osé parler, non, de ces divisions, de ces clivages Hutu-Tutsi. Bien entendu. Pourquoi est-ce que cette dame est en prison? Pour avoir posé une simple question et dire, écoutez, nous aimerions aussi que les nôtres, c'est-à-dire les Hutus, qui ont été massacrés, aussi puissent quand même être enterrés dans l'honneur. Donc, il faut... divisionnisme. Pour elle. En prison, 15 ans.
C'est quand même anormal. Donc en ce moment au Rwanda, le régime de Paul Kagame ne veut pas du tout entendre parler du clivage Hutu-Tutsi ou bien des frustrations que subiraient les Hutus. Non, pas du tout. Il ne veut pas du tout entendre ça. Alors c'est pourquoi il favorise évidemment cette façon de chanter Kagame, le sauveur, Kagame qui a arrêté le génocide. Une sorte de couverture. Mais sur le plan psychologique, les gens sont très frustrés. Surtout les jeunes. Parce qu'on les entraîne dans ce climat où il y a un groupe de gens protégés et un groupe de gens insultés carrément dans leur pays.